Voilà le message que je veux lancer à l'humanité. Nous sommes tous humains, bien sûr. Mais certaines différences existent entre nous. Elle peut être raciale, religieuse, tout. Mais ça, ça doit constituer une force pour nous, mais pas une faiblesse. Une force dans la mesure où le caméraman qui est devant moi en train de m'interviewer est un blanc. Pourtant, lui, il a eu l'intelligence, il a eu la peine de pouvoir m'interviewer tout en sachant que je suis fou. C'est déjà un bon début. Déjà, il m'a accepté et déjà, je l'accepte. Je vais prendre, par exemple, les grands conflits qui jalonnent notre humanité, qui jalonnent notre monde depuis longtemps. En ce qui concerne, par exemple, le conflit israélo-palestinien, il est clair que les Israéliens ont leur droit d'exister. Il est clair que les Palestiniens ont leur droit d'exister. Nous avons tous le droit d'exister. Toute cause mérite qu'on meure, mais aucune cause ne mérite qu'on tue. Raison pour laquelle nous avons tous le droit de nous armer pour nous défendre. La force ne doit pas être au service de l'attaque. La force doit être toujours au service de la défense. Toujours au service de la défense. Nous devons nous interviewer. Comment comprendre au monde où, pendant les 7 milliards d'individus, que les 7 milliards d'individus qui existent dans le monde, que la, par exemple, la richesse mondiale, 2% des plus riches du monde détiennent la moitié de la richesse mondiale. Regardez-moi cette inégalité. Ils sont en train de nous assoiffer, de nous affamer. Ensuite, qu'est-ce qui va exister? Ils vont nous faire des esclaves, bien sûr, mais des esclaves dans la tête. Dans la tête. Mais l'esclavage n'existe pas. La preuve, c'est un caméraman blanc qui est en train de m'interviewer. Maintenant, l'esclavage est aboli, c'est une erreur de l'histoire. Faut oublier cela. Faut aller en avant. Comment? Bien sûr, ouais, on nous a colonisés par-ci, par-ça, ouais, ouais, le blanc nous a foutu le bordel, ouais, ok, on a aidé des flics, tout ça, mais ça va. Mais puis quoi? S'ils se sont réveillés plus tôt que nous, c'est pas une erreur. Il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Mais il faut essayer de positiver. Il faut positiver, les gars. Positiver comment? Ah là, c'est là où résout tout le problème. Mais les blancs sont intelligents. Pourquoi pas ne pas profiter de leur intelligence pour nous développer? Vous êtes intelligent, vous êtes béni par Lucifer. Oh, pas tout le monde que je dis, je veux dire l'élite. Pourquoi pas ne pas partager cette connaissance? Nous développer, créer une France-Afrique. D'une vraie France-Afrique. Une vraie union entre les peuples. Pour que tout le monde s'entraide. C'est ça la vraie solution pour moi. La solution ne réside pas dans la guerre. Ah, je vais revenir encore sur le conflit israélo-palestinien. Non, pas sur le conflit israélo-palestinien. Sur le conflit irano-américain, réellement, il n'y a pas de conflit. Quoi. Seulement, ils se foutent de notre gueule. C'est eux qui veulent nous faire croire qu'il y a des conflits. Mais il n'y a pas de conflit. Il n'y a que des intérêts personnels qui sont en jeu. L'humanité est en train d'être menée en bateau. Je vous parle. Je parle aux Chinois. Je parle aux Européens. Je parle aux Américains. Je parle aux Africains. Je parle aux Asiatiques. Il a tout coupé. L'humanité de Dieu, il y a comment qu'il le dit. Moi et les frères. Les frères de la Seigneur de Dieu, ils sont là, c'est l'armée du peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu soit gloué. Rendez wow. Grâce au Seigneur. Après qu'il est fini, vous pouvez. Rendez grâce au Seigneur, car il a dit. Rendez grâce au Seigneur, car il a dit. Rendez grâce au Seigneur, car il a dit. Éternel son amour. Que la maison d'Aruna peut le dire. Que la terre d'Abraham peut le dire. Que le peuple de Dieu pour le dire, rendez grâce au Seigneur. Combien d'indulgents?